qu'on échauffe et toute la ligne droite pour les abonnés ou quoi? Est-ce que je vais arriver à passer entre les deux? Allez rentre dans le cercle, 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 allez rentre dans le cercle. Yo les potes, c'est Jibrigno, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Petite vidéo, bah petite balade on va dire. Sachant qu'il, tu vois, il fait pas très très beau. Mais bon, hein, ça va pas empêcher le père Jibrigno à sortir le scout. Donc voilà, là je vous explique, je suis en direction de Carrefour. Vous allez me dire pourquoi Carrefour? Tout simplement parce que j'ai une petite petite course à faire. Tu vois, tranquille, il est 19h30. Tu vois, une petite course à faire pour le soir et puis voilà, on va rentrer tranquillement. Donc j'avais envie de vous le filmer, voilà, vu que je suis un fou, voilà, je vous le filme. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Sur ce, bah c'est feu vert. Et puis c'est parti mon kiki. Donc là on va faire la petite route, la petite ligne droite des familles. Ouais, y'a putain du... Y a, par contre, peut-être que ça va pas se voir. Y'a du vent, sa mère. On n'est pas sur les... Dodan, nous. Eh, y'a du vent, les gars, laissez tomber. Hein. Oh lolo. Mais du vent comme Jaja. Hein. Oh lolo. Bon, voilà, les potes, les vidéos scouts, ça vous plaît. Ça vous fait plaisir. Moi, j'en fais, y'a pas de soucis. Donc là, en direction de Carrefour, je vais passer par où? Carrefour. Sachant qu'il faut qu'on roule un peu, je vais passer par rue moyenne. Puis voilà, tu vois, petite vidéo, au calme, en scout, quoi de mieux? Là, je suis sûr que tu es en train de regarder la vidéo sur ton téléphone, dans ton lit, parce que tu vois, la vidéo, je vais la mettre vers 18h, 19h, tu vois. Tu vas pas pouvoir la regarder tout de suite, tu vas la regarder vers 22h, 23h, dans ton lit. Tu sais, quand tes parents ils vont te dire d'aller dormir, bah tu vas la regarder là, au calme. Ou sinon, tu vas faire le gros thug à regarder la vidéo quand tu manges devant tes parents. Tu vas leur montrer comment je lève un peu. Là c'est feu vert. Là t'appelles ta daronne. Tu vas... Maman viens. Regarde Jibrigno comment il roule en scout. Bah je rigole. Eh, je pars dans des délires moi, laissez tomber. Hein. Oh là là. Ouais, y a du vent de ouf par contre. Ça faut faire attention du vent parce que imagine tu lèves, il y a du vent, hop, ça te décale, tu vois. Faut faire attention à ça, faut faire attention. Bon les gars de Joe là, c'est vert. Hein. Là, hop, normalement il pleut pas, mais tu vois, j'ai su quand même la GoPro. Ça serait con de niquer une vidéo pour ça. Hop, là je vais mettre le petit clignotant, on va aller à droite. Hop, digne d'un conducteur parfait. Un jour, il faudrait que je fasse un truc, tu sais, genre sans futur, parce que bon, des fois, voilà, ça m'arrive d'écrire du stop, tu dois te faire des roues et tout. Il faudrait qu'un jour je fasse une vidéo, tu sais, où je fasse rien, tu sais, où je fasse vraiment le mec. C'est respectueux, genre, tu vois, hop, tu vois, ça serait un bon concept, franchement. N'hésitez pas aussi dans l'espace commentaire à me dire vos défis. J'ai vu que le premier défi vous a énormément plu. Bon, ça a pas fait 100 000 vues, hein, mais ça vous a énormément plu. Du coup, bah voilà, tu vois, on continue les vidéos scooter. Il n'y a aucun souci, la famille. Putain, par contre, mon téléphone il me fait mal. Oh, c'est bon. Hop là, on va passer par là. Hop, on double pas le quart, nous. Hop. Est-ce qu'on va faire la bavette? Eh ben non. La bavette, j'arrive pas à la faire. Je sais pas s'il faudra que je prenne. Mais... Ou alors, faut peut-être que je prenne des cours. Hein. Je sais pas. La bavette, j'arrive jamais à la faire. Faut que je vous explique aussi. Tout à l'heure, je reviens des cours. Tiens, parce que je vais vous parler, tu vois. Je reviens des cours au calme. Putain, il y a du vent de ouf. Eh, oh, il y a du vent. Tu sais, tu le sens, scout, quand il y a du vent. Bref. Tout à l'heure, je reviens des cours et tout au calme, tu vois. Scout, de là, je suis en semaine de cours. Enfin, à part la fin de semaine, enfin bref, ça, on s'en fout. Et je reviens des cours au calme, tu vois. Et là, je vois quoi? Je vois les flics, mais en moto, tu vois. En moto, pas les flics en moto, la gendarmerie si vous préférez. Oh, comment c'est noir, sa mère, je vais me prendre une... Oh les filles. Bref, putain, quand je parle d'un truc, je suis obligé de parler de 15 000 trucs, c'est un truc de ouf. Bref, je vois les motards, tu vois, et c'était les motards, genre, tu sais, les motards, ça, à moto.
tu vois. Et eux, tu vois, ils m'avaient déjà dit de mettre mes gants, tu vois. Oh putain, je les vois de loin, je fais demi-tour. Tu sais, je fais style, tu sais, je m'arrête. Ils me regardent, ils partent, parce que si vous voulez, en fait... Hop, excusez-moi, on n'a pas vu le feu orange. Donc en gros, tu vois, j'y vais et tout. Et là, ils font quoi? Tu vois, ils me regardent. Tu fais putain... Je vais péter un plomb, tu vois. Et là... Ils s'arrêtent pas, du coup, j'étais... Oh putain de sa mère. Parce que là, c'était sûr, j'allais me prendre une amende, tu vois. T'es obligé. Mais en fait, non, tu vois, ils ont tracé leur route. Parce que, en fait, si vous voulez... Bon, toi, t'avances pas, je te double. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, en gros, bah si vous voulez, en fait, j'ai failli prendre une amende pour les gants. Parce que eux, les motards, ils t'en battent les couilles, hein. C'est pas genre, tu sais, la police en voiture ou quoi. Eux, les motards, ils voient sans gants, mon pote, ils t'arrêtent. La dernière fois, ils m'ont fait tant, on te revoit la prochaine fois sans gants. On te met une amende et tout ce qui va avec. Oh putain, je fais, hop, je les revois. Ah, j'ai eu chaud, hein. Du coup, là, bon, là, tu vois, je mets mes gants parce que je suis sûr que je vais les croiser, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça. Tu vois, je mets mes gants, je vais pas les voir, et je vais pas les mettre, je vais les voir. Mais bon, bref. Maintenant, les gants, je vais les mettre, et tu vois. Même dans mes vidéos, il y en a une des équipes toi et tout. Donc, inquiétez-vous pas, la famille, je vais mettre mes gants maintenant, et puis voilà. Bon, arrête de blablater, on va conduire. C'est bien beau de parler, hein, mais nous, on veut voir du in. Ouais, bah attendez, les gars. Oh. On peut pas tout faire, hein. Je peux pas parler, faire du in. Hein. Là, on va faire du slalom. Ah, on peut pas passer, hein. Allez, là je peux griller, toi, d'accord. Hop. En tout cas, si vous kiffez les petites baronnes comme ça, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une baronne. Mais si, tu vois, je les ai croisées là, et moi je me suis mis là. Et eux, ils ont tracé là, tu vois, les motards tout à l'heure. Et moi, je me suis garé sur le trottoir, tu vois. Et eux, ils étaient comme ça, sa mère. Oh. Je vous avoue que j'ai quand même un peu flippé parce que, tu vois, j'ai pas des sous à dépenser dans des amendes. Et puis voilà. Oula, là ça sent la petite ligne droite là. Oula, on arrive un peu vite là dans le rond-point. Oula, 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 oula. Hop, le taxi en rouge. Il y a un souci là, la petite là. Oh putain, je vais passer là. C'est obligé que je passe là. C'est obligé, ça a sens interdit, mais on est obligé de passer là. Oh, tu vas me laisser passer toi. Merci. Hop. Pourquoi je suis passé là? Bah, tout simplement parce que c'est une ligne droite, ma petite gueule. Ah merde, il y a un dodan, on va essayer de l'éviter. Non, je vais pas faire le thug. Hop. On est chaud, c'est toute la ligne droite pour les abonnés ou quoi? Est-ce que je vais arriver à passer entre les deux? Oh, aïe. Ah non, je vais pas faire le thug. Là par contre, là c'est bon, là je suis parti jusqu'au feu rouge là-bas. Là, je suis là. Est-ce qu'on peut faire toute la ligne droite en roue? Je sais pas s'il y a quelqu'un derrière moi. Personne derrière moi. Allez, c'est parti. Ah merde, j'ai un peu trop ras. Je suis à 70 là. Moi j'arrive à le faire entre 60 et pas plus de 65, tu vois. Mais après à 70 j'arrive, mais faut mettre un putain de coup de... Ça faut tirer comme un bâtard. C'est bien. Et là sa mère, je lève alors qu'il y a du vent, mais laissez tomber, hein. Ah là, tous ceux qui habitent à Bourges, ils savent de quoi je parle, hein. Regardez comment ça... Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, c'est limite la GoPro, on va se barrer. Oula, les deux dames. Moi j'aime bien rouler, franchement j'aime bien. Bon, ça use de l'essence, tu vois, mais j'aime bien. On va dire que c'est la YouTube monnaie qui paye l'essence. Hop, donc là on est arrivé à Carrefour, je vais faire une petite course. Je sais pas si je vais à celui-là ou à l'autre.
Bon, voilà, c'est une dent. Hein. Je vais faire mes petites courses et puis on se retrouve juste après, tu vois. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps. Voilà, les potes. Je fais mes petites affaires. Maintenant, on rentre. 3, 2, 1. Boum. Je sais pas c'est qui. Ça se trouve c'est un abonné. Non, je sais pas. Ou un pote que j'ai pas reconnu. Merde. J'ai dit quand même Yo, mais je sais pas c'est qui. Si je crois que c'est un. Moi je sais pas. Je crois que c'est un abonné si je suis pas sûr. Ah putain. Ce truc là il fait trop mal. Avant je passe à fond là, je m'explosais le scoop. C'est trop mal. On passe pas par ici nous. Je suis un gamin putain. Elle s'est retournée en mode wesh, je connais. Allez, est-ce que le Godan on va le prendre? Aïe, non. Ouf. Non, on l'a pas pris. Pour la prochaine fois, pour la prochaine fois. Putain, le petit soleil là du lever du coucher. Le coucher du soleil là, tu te plaises là. Oh là 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 là. Putain, ça fait plaisir. Le coucher du soleil. C'est pas magnifique ça. C'est pas magnifique ça. Des petits gars en scout là-bas là. Allez, tu roules toi. Wesh, bien. Hein? Tu as vu une vidéo? Ouais. Ah, j'ai vu la vidéo avec Célian là. Avec qui? Avec Célian, tu sais, quand j'avais sa moto. Là. Ah oui, oui, oui. Vous rentrez là? Non, c'est chez moi, je rentre là. Bah, je rentre. Il y a Zuni Z avec un galet, mais j'ai rien d'autre. Hein. Je vais acheter un Vario là. Je vais acheter un Vario. Vas-y. Bon bah voilà les potes, la vidéo est terminée. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Je vois que le mec derrière il est pressé. Pas levé tu vois, et puis sur ce bah je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus les potes, à plus. Bex to Bex.
Never late.